Alors, tout d'abord, il faut rappeler que le texte juridique qui encadrait les conditions de sortie et d'entrée des étrangers et des nationaux au Burkina Faso date de 1984. Donc, de 1984 à 2024, vous conviendrez avec moi que beaucoup de choses ont changé, tant au niveau des menaces qu'au niveau des conventions internationales ainsi que les standards internationaux. Donc, il était temps pour nous de relire l'ordonnance 84 pour pouvoir apporter un certain nombre d'éléments. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement du renforcement déjà du dispositif juridique et de clarifier certains concepts qui n'avaient pas été pris en compte dans l'ordonnance 84, tels que les étrangers, les nationaux, les apatrides, les réfugiés, etc. Il était également temps pour nous de prendre en compte certaines normes et standards internationaux et communautaires pour pouvoir actualiser et adapter notre dispositif juridique en matière d'encadrement des entrées et des sorties sur le territoire national. Le deuxième élément, on a voulu également relire cette loi pour nous donner plus d'outils juridiques pour mieux lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez que qui parle de lutte contre le terrorisme parle également de contrôle du flux migratoire et cela va beaucoup contribuer en matière de lutte contre le terrorisme. Et je pense bien que autre élément que nous avons pris en compte, c'était également de voir, vous savez qu'actuellement, la géopolitique a changé. Donc, il faut également intégrer cela dans un certain nombre de dispositifs juridiques, notamment pour ce qui concerne la migration. Et avant de terminer, vous savez qu'actuellement, la politique du gouvernement, c'est la digitalisation de l'administration. Donc, le ministère de la Sécurité n'est pas resté en marge. Nous avons pu actuellement développer le e-visa que nous avons lancé depuis un certain temps. Et cela n'était pas pris en compte dans l'ordonnance 84. Et nous poursuivons également avec d'autres logiciels. D'ici là, ça serait opérationnalisé. Donc, il fallait prendre tous ces moyens-là en compte pour pouvoir avoir un texte adapté et pouvoir également lutter contre toute forme de menace. Alors, ce que je peux dire de façon résumée, c'est d'abord pour les étrangers, vous savez tous qu'avant d'accéder sur notre territoire, il faut un visa, une demande de visa. Il y a le e-visa qui est là, il faut faire la demande et la demande doit être accordée avant que vous n'accédiez au territoire national. Sauf s'il y a exemption, parce qu'il y a quand même des traités communautaires qui font l'exemption de visa avec certains pays. Une fois que vous avez votre visa et vous venez au Burkina, vous remplissez les conditions, les formalités au niveau des postes frontières, notamment à l'aéroport, l'enregistrement. Et vous venez, et maintenant, pour le séjour, vous avez l'obligation également d'avoir un titre de séjour. Alors, au Burkina Faso, nous avons les visas de court séjour qui partent de 1 à 90 jours et les visas de long séjour également. Donc, dès que toutes ces conditions sont réunies et que vous respectez nos textes et règlements en vigueur, ben, je pense que vous pouvez venir au Burkina Faso sans problème. Pour ce qui concerne les nationaux, on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit pour un national pour accéder au territoire burkinabé. Il suffit seulement de justifier de la preuve de sa nationalité. Une fois que vous montrez que vous avez la nationalité burkinabé, vous avez le droit d'accéder au territoire national. Pour la sortie des nationaux, nous avons des dispositions générales, notamment avoir un document de voyage, avoir le visa de destination, etc., etc. Satisfaire les formalités sanitaires. Déjà, on tient à rassurer nos compatriotes que les textes de l'UEMOA prévoient cela et que il n'y a pas de crainte à faire à ce niveau. Alors, parlant de réciprocité, bon, voilà, s'il y a réciprocité, il y a réciprocité également qui va s'appliquer. Il va de soi que au niveau des autres pays, si des mesures sont prises à l'encontre de nos compatriotes, également, ça serait réciproque. Nous allons prendre des mesures fortes également à l'endroit de leurs compatriotes sur notre territoire national. Et cela est un message clair qu'on tient à adresser également à tous ceux qui tenteront d'utiliser ce retrait pour porter une atteinte à la quiétude de nos compatriotes dans leur pays.